Salut à tous, Sylvain Didier pour vous servir et pour ce nouvel épisode, je vous emmène en tournage dans la Somme où on va faire du drone, des interviews avec un slider, on va faire de la grue, des plans de coupe, bref, ça va être plutôt sympa, en plus il fait beau. Allez, à tout de suite! Cette fois-ci, c'est parti. Petit au revoir au chat, c'est le mauvais père. Je suis un petit peu équipé léger, mais c'est normal pour des questions logistiques. Je peux pas emmener tout le matos maintenant, donc je vais repasser le chercher tout à l'heure quand j'aurai récupéré la voiture. Voilà. Après 2 heures de route, on vient d'arriver dans notre petit hôtel, magnifique Ibis situé ici. Wow. On va décharger le matériel, puis aller prendre une bière pour commencer. Voilà, à tout de suite. Pourquoi vous mettez la clim aussi froid? Le truc, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je mets tout de suite mon matos à charger. Là, par exemple, c'est les HF qui, a priori, vu que ça s'allume rouge, n'étaient pas complètement chargés. Et le problème des systèmes qui fonctionnent sur batterie, c'est que si la batterie n'est pas chargée ou tombe en rade pendant le tournage, le temps que ça se recharge, vous êtes bloqué. Alors je profite aussi d'être au calme dans ma chambre d'hôtel pour vérifier ma caméra, checker les menus et vérifier que les paramètres sont bons et puis la configurer comme je vais l'utiliser demain. Alors là je fais une balance des noirs, ça s'appelle ABB dans le menu de la caméra. Et ça permet de régler les noirs pour être sûr de ne pas avoir de défaut de couleur. Bon, je vous cache pas qu'il est minuit 11 maintenant et que je vais me pioter. Allez, à demain. Ciao. Il est 9h10 après un petit déjeuner plus que frugal à l'hôtel Ibis. Non, je déconne. On est en route pour le premier lieu de tournage qui est un cinéma. Et je suis en compagnie de Zach, notre chauffeur, et de Margot qui va mener les interviews tambour battant. Donc on vient d'arriver, on va tourner dans ce cinéma, le Casino. Les lasagnes sont top, je vous recommande l'adresse. Alors après un petit stop dans un restaurant que je vous conseille qui s'appelle le Longchamp Albert, une petite cuisine familiale assez sympa, on a repris la route pour aller à Valers. Enfin un truc dans le nord, c'est à 1 heure de bagnole. Zach conduit toujours. Donc là on est un peu perdu apparemment. Hein. On a un guide avec nous mais il ne connaît pas trop le chemin. Donc là on est dans une ancienne mine de charbon
qui a été entièrement rénové et qui s'est transformé en cité de l'image, cité de l'excellence de l'image. Et donc on va faire une petite interview de la personne qui a fait les travaux dans cette magnifique pièce, notamment tous les travaux en plâtre. Donc l'idée c'est de trouver un cadre un peu joli pour faire vivre un peu tout ça, faire une interview pareil avec un slider motorisé, quelque chose de plutôt joli. Et après on fera quelques plans de coupe, on fera des plans en grue et puis après on filmera à l'extérieur avec le drone. Juste génial, comme télécommande. Merci Rino Gira. Faire un petit plan de rôle en intérieur. Donc là, on a fini les plans à l'intérieur et maintenant, il est question de faire quelques petits plans drone. Voilà, avec ce petit Phantom 4 derrière. C'est parti. Grosse merde en plein vol, l'iPad qui se coupe, obligé de ratterrir d'urgence avec le Phantom. Merci le retour rapide là. Super, quand ton iPad te dit température, l'iPad a besoin de refroidir avant de pouvoir être réutilisé. Gros coup de flip. Fin de tournage, on est de nouveau sur la route, cette fois-ci pour rentrer à Paris. Il nous reste à peu près 148 km, il est 19h48. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a tourné aujourd'hui, c'est des petits sujets de 2 minutes qui seront diffusés lors des trophées placoplâtre. Demain, on enchaîne sur un autre tournage, mais cette fois-ci en région parisienne, très tôt le matin, à 9h, dans le fin fond du 77. Il va falloir se lever tôt, la nuit va être courte. Ce soir, en rentrant, il va falloir recharger toutes les batteries, vider toutes les cartes mémoire pour sauvegarder tous les rushs. Je vous enjoins d'ailleurs à regarder l'épisode 2 en cliquant là-haut, où j'explique comment je sauvegarde mes rushs sur un As Synology. Il est 21h35, fin de journée, fin de tournage. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires juste en dessous. Si vous avez des questions techniques, posez-les aussi, j'y répondrai. Et puis donnez-moi votre avis, savoir si vous voulez d'autres petits vlogs comme ça. Et ce que vous aimeriez voir et ce que vous aimeriez savoir sur ces petits vlogs. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce levé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !